Et c'est là que certains d'entre vous regrettent de ne pas avoir fait allemand LV1, hein ? Une citation pour commencer. Une sorte de résumé au début, mais un bon point de départ pour répondre à vos questions et aussi pour se rappeler que l'Europe, telle qu'elle a été conçue par l'un de ses fondateurs, Jean Monnet, est venue pour lier les hommes. Je le cite. « Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes. » Et de rajouter « Faire l'Europe, c'est faire la paix. » Alors, il faut se souvenir en deux mots que l'idée d'Europe est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Pour limiter la fabrication des armes, on crée la communauté économique du charbon et de l'acier. Oui, le charbon et l'acier, c'est les deux trucs avec lesquels on fait des armes. De façon à ce que si l'un d'eux aura envie d'une troisième guerre mondiale, il soit coupé dans son élan par ses petits camarades. C'est beau, hein ? Ah ben c'est sûr que ça apparaîtra jamais au générique de Game of Thrones, hein ? Mais ici, ça le fait, non ? Alors tiens, puisque je parle de générique, parlons musique. Les quelques notes de musique que vous venez d'entendre sont un extrait de l'Ode à la joie de Beethoven, l'hymne de l'Europe, parole de Friedrich von Schiller. Alors moi, instinctivement, j'aurais plutôt choisi une chanson d'Abba pour l'Europe, tiens. Mamma mia, here I go again, my, how can I resist you? Hey. Ça le fait, non? Bon, c'est sûr que ça serait pas simple pour un parlementaire européen. Ça serait pas simple pour un parlementaire européen de présider une commission en pâte d'eff et chemise à paillettes. Hein. Et puis, Abba, c'est peut-être sympa pour comprendre le catalogue IKEA, mais le suédois, c'est pas forcément accessible comme langue. Hein. Et puis, il faut le rappeler, le Parlement européen, c'est pas non plus le concours de l'Eurovision. Quoique, Conchita Wurst, gagnant en 2014, est venue chanter au Parlement européen pour parler de tolérance et de respect. Comme quoi, pas besoin de cravate pour faire passer des messages. Hein. Et puis, l'idée de l'Europe étant de rassembler des pays autour d'un même objectif, France 2 points, UK 70 points, côté égalité, ça ne ferait pas. Hein. C'était donc la 9e de Beethoven. Friedrich von Schiller, l'auteur des paroles, était un grand précurseur. Son texte part de rassembler les hommes, d'aller dans la même direction, de considérer comme frère celui qui est différent. Ouais, bah en fait, Schiller, c'est un peu le Goldman des enfoirés d'aujourd'hui, ouais, sauf que lui, il n'organise pas d'immenses concerts avec les vieilles chanteuses. Alors, le Parlement européen, c'est assez simple finalement, ça peut se résumer, écoutez bien, ça peut se résumer peut-être en une citation de Martin Schulz. Je le cite. L'Europe est devenue une abstraction. Au début des années 50, 60 et tout au long des années 70, c'était un projet émotionnel. Oui, on était pour l'Europe par passion, parce que l'Europe était une histoire de tripes et de sentiments. Ouais. Bah, délier des vraies informations sur le Parlement européen en mixant sentiments, tripes et passion, ça va pas être facile. Hein. Commençons. Martin Schulz, bah c'est le big boss, hein, le président du Parlement européen. Voilà, autodidacte, plutôt tendance grande gueule. Il a le sens de la citation qui fait mouche, de la formule qui marque. Normal, le monsieur était libraire, absolument pas sorti d'une grande école de fonctionnaires. Hein. Tout ce qu'il sait, tout ce qu'il revendique, il l'a appris dans les livres. Pour faire une comparaison, c'est l'équivalent pour votre ville de votre maire. Bonjour, madame Maire. Voilà, c'est le François Hollande de l'Europe. C'est le capitaine de l'équipe. C'est le Nikos Aliagas de The Voice. C'est le Nabila de... Mais là, je m'emballe. Bon, Martin Schulz. Écoutez bien, parce que plein d'infos, hein. Vous allez voir. Il est secondé par 14 vice-présidents. 14
vice-président, pardon, tous élus parmi les 751 députés des 28 États membres. Voilà. Plus les présidents de délégations, les présidents de commissions, les questeurs. Et non, pas les skateurs. Non. Non, les skateurs, c'est sympa, mais c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Trois lieux pour travailler. Strasbourg, Luxembourg, Bruxelles. Plus tout le personnel qui gravite autour de cette fourmilière. Alors, les traducteurs et les interprètes, les juristes, les linguistes, les conseillers juridiques, et j'en passe, hein. Et on fait carrière au Parlement, hein. Préparez vos CV. Hein. 8000 fonctionnaires, 8000 occasions de trouver un job, et avec un peu de chance, une fiancée suédoise. Bien, et quand j'y pense, la palme revenant quand même au chef de la cantine. Non, parce que ça n'a pas été évident, l'élaboration des menus, hein. Dans cette si jolie foule, il doit y avoir, j'en suis sûr, hein, les allergiques au gluten, les ceux qui détestent les yaourts nature, ceux qui préfèrent faire une fontaine, un volcan, vous savez, dans leur purée pour mettre leur jus de viande, là. Ouais, et puis ce cuisinier, il doit faire face aussi au chauvinisme culinaire. Le chauvinisme culinaire, ah oui, celui qui dit que la cuisine française est meilleure que l'allemande. Celui qui fait que l'italien pense qu'il est le seul à faire les bonnes pizzas, l'espagnol les meilleures paellas. Eh bien, c'est parce que nous n'avons pas goûté à la cuisine de tous les pays qui nous entourent que nous nous permettons ce chauvinisme. De la même façon, c'est parce que nous n'avons pas toutes les informations sur le Parlement européen que nous y allons parfois de nos petits préjugés. Pour continuer la comparaison municipale sur le Parlement européen, c'est l'équivalent de votre ville, de votre mairie pour votre ville, mais sur un territoire un peu plus grand, quoi. Voilà. Oh, pas beaucoup, hein, 4,5 millions de kilomètres carrés. Oui, ça paraît un peu abstrait comme ça. 41 667 terrains de foot. 34 722 terrains de basket, ou alors tiens pour les filles, 15 000 grands centres commerciaux. Oh ben, voilà un préjugé, tiens. Le foot pour les garçons et le shopping pour les filles. Eh ben, c'est un peu ça le problème avec le Parlement européen, les préjugés. Comme cette grande inconnue nous paraît parfois une grande inconnue, ben, du coup, on prend deux bouts d'informations pour en faire une moitié d'une seule, pour pas vraiment vraie, pas vraiment fausse, quoi. Alors évidemment, la politique y est bien présente, hein, avec même une notion politique un peu étrange. Les eurosceptiques. Oui, ben, je vous l'accorde, ça fait un peu nom de médicament. Mais il s'agit vraiment d'hommes et de femmes politiques, hein. Seulement, vous voyez, ils sont pas vraiment convaincus, quoi. Alors, ils sont pas contents, ils sont chafouins. Alors, ils sont là, hein, ils travaillent, mais non, finalement, ils sont pas sûrs d'en vouloir. Et je vous parle même pas des élus européens anti-Europe. Oui, qui eux sont là, mais qui cherchent la clé pour fermer l'endroit. Alors tiens, pour continuer ma métaphore culinaire, parce que ouais, je l'aime bien, imaginez. Vous êtes une bande d'amis et vous décidez d'inviter des personnes que vous détestez à une soirée. Voilà. Tout en sachant que pendant toute la soirée, pendant tout le dîner, ils vont se plaindre du menu, que de toute façon ils vont commander mais qu'ils vont rien manger, qu'ils vont détester la musique d'ambiance, la déco, le serveur, et évidemment tout ça à haute voix parce qu'il faut bien que tout le reste entende, c'est mieux. À la fin, ils vous laissent payer la note, et en plus, ils refusent de donner un pourboire. Enfin, l'invité pratique, quoi, le convive qui détend l'atmosphère. Hein. Eh bien, pour continuer, tout cela est très normal, puisqu'il n'est pas question d'autre chose ici que de démocratie. Ah, alors, beaucoup de sessions parlementaires, de commissions, pour si ce n'est leur faire changer d'avis, au moins aller contre le leur. Forcément, regardez, avec votre bande de 28 potes, oui, comme 28 États, hein, parce que 751, ça serait trop compliqué. Hein. Bref, déjà, votre équipe, ça rigole pas. Hein. Bon, on vous remarque quand vous arrivez quelque part. Hein. Imaginez,
L'un de votre bande propose. Et les gars, si on se faisait un resto ce soir. Alors l'idée, elle n'épait pas au 27 au train, mais exercice démocratique. Bonne idée, mais alors on se fait une pizzeria. Ah bah non, moi je veux une spécialité poisson. Eh les gars, on, la dernière fois on s'est fait burger, cette fois-ci on se fait kebab, parce que non, faut changer quoi. Etc, etc. Vous imaginez l'ambiance? Vous l'avez tous vécu, non, ce moment où l'urgence est à la fin, mais qu'il faut contenter tout le monde, pendant que votre estomac se tord de douleur tellement il est creux, hein? Eh ben, c'est un peu ça, la politique européenne. Aller dans le sens humain en rassemblant les humains et leur humanité. Aller dans le sens humain en rassemblant les humains et leur humanité, elle est pas mal celle-ci, hein? Faut que je la note. Ben, pareil. Avec les idées et les préjugés que nous pouvons avoir entre nous. Allez, avouons-le, hein. Parmi la bande de 28 potes, ben, il y en a bien certains qu'on critique plus facilement que les autres, non? Eh bien, imaginez. Vous arrivez... ben oui, hein, un petit accident. Voilà. Eh bien, on en revient, c'est ça, on en revient à cette notion typiquement française, d'ailleurs, de chauvinisme, oui, pardon. Ou comment penser qu'on est les mieux en trouvant les autres moins mieux, de toute façon, c'est nous les mieux, quoi. Alors, nous, l'idée de l'Europe, on la connaît, mais au départ, entre eux, ça devait y aller, les messes basses et les blagues acides. La Hollande, c'est des Belges qui parlent allemand, non? Enfin, c'est pas un vrai pays. Les Anglais, ha, ben voyons, ils ont inventé le mot fair play pour nous expliquer pourquoi on perd toujours au rugby contre eux. L'Allemand nous trouve étrange parce que nous ne traversons pas dans les passages coutés. Bon ben, au-delà du fait que c'est dangereux, cela détermine pas vraiment notre identité nationale. Hein? Eh ben, pour eux, oui. Les Italiens, ben, ils sont pas sérieux. Hein? Ils nous font payer la conso à la caisse avant même de les boire. Des particularités, ok, mais qui font qu'à plusieurs, ça paraît un peu plus compliqué que tout seul. Mais la devise de l'Europe n'est-elle pas unie dans la diversité? Ça, si c'est pas de la démocratie, hein? Alors bon, c'est sûr, parfois ça prend un peu plus de temps. Hein? Bon, imaginez pour l'organisation de votre soirée avec vos potes, là. Un décide pour les autres. Non. On aura tous mangé dans un resto qui fait des plats à l'huile de foie de morue. Bon, ben déjà, vous avez plus faim. Et puis, quelque chose me dit que les 27 autres vont se liguer contre celui qui a décidé et qu'au final, après la grosse dispute, eh ben, il n'y aura plus aucun resto pour vous accueillir, quoi. Un truc à se retrouver tout seul, en pleine nuit, devant son frigo vide. Mais tout cela mène à la paix. Ah ben, c'est Friedrich von Schiller qui le dit, hein. Soyons enlacés, millions, donnons ce baiser au monde entier. Pour terminer, restons chauvins, mais plus local, cette fois. 751 députés, dont 74 députés français. Certains connus parce que très médiatisés, d'autres qui œuvrent tout autant, mais qui passent moins devant les caméras. À se demander même si le fait de ne pas passer à la télé leur laisse pas plus de temps pour bosser. Bon, alors évidemment, les parlementaires français, quand ils parlent anglais, on entend en effet un petit accent. Mais si on écoute mieux, en plus de l'accent français, eh bien, il y a l'accent de chez nous. Ah, celui qui fait compter aux Parisiens les jours avant les vacances. Celui qui s'envole la garrigue, le printemps, l'été. Bien que moi, personnellement, mon dentifrice soit plutôt mentholé et pas au thym et la farigoulette. En effet, parmi ces 751 députés, 74 Français et 13 eurodéputés élus dans la circonscription sud-est. Et limite, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez frimer et dire « Bah ouais, moi j'en ai rencontré deux, hein, Sylvie Guillaume et Marie-Christine Bergère. Hein, » Parce que bande de petits vénards, grâce à elle, l'Europe
Le Parlement européen et ses commissions n'auront plus aucun secret. Et pourraient peut-être même dès ce soir en parler autour de vous. Genre, alors je t'explique. Lorsque la fête confirme que la droite a bien validé ce que la culte a entériné, la jury prend alors le relais. Non, pendant que l'AFCO et la Libé sollicitent l'appétit. Non, parce que sur une décision importante, son avis n'est pas négligeable. Tiens, puisqu'on est dans les citations, pour vraiment terminer, je vais vous ressortir la mienne. Parce qu'elle est quand même pas mal et que je pourrais pas forcément la ressortir ce soir. D'ailleurs, elle est pour moi, vous pouvez la noter. Allons dans le sens humain, en rassemblant les humains et leurs humanités. Je vais quand même demander à Sylvie Guillaume et Marie-Christine Vergès si elles ne veulent pas le graver dans le marbre. Ou non, dans l'or, tiens, parce que c'est moins salissant, et puis le mettre au fronton du Parlement avec ma photo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir, sous vos applaudissements, Marie-Christine Vergès. Sylvie Guillaume, Marie-Christine Vergès.